Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président Gibelin, chers collègues, je vous remercie de me donner la parole sur ce rapport qui, même s'il porte sur un document contractuel en matière de mobilité, est une des pierres importantes des politiques régionales que nous édifions en faveur d'un aménagement équilibré et vertueux de notre territoire. L'aménagement du territoire, ce n'est pas seulement des grands projets et de la construction, mais c'est aussi être capable d'anticiper et d'accompagner la prise de conscience écologique et la baisse du pouvoir d'achat des habitants de notre région. Dans cette optique, je relève plusieurs points importants de cette convention. La durée d'abord 10 ans, qui nous donne une lisibilité et une visibilité accrue en matière de développement territorial. Le choix de prolonger la convention avec l'opérateur historique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les propos de Monsieur Briand, qui peut-être par manque d'objectivité qui nous a obligés à des efforts énormes de calculs mentaux tout à l'heure, à une mauvaise analyse de la Convention 2018-2022, puisque ce bilan-là est positif. Et l'étude d'évaluation la plus simple à faire, il me semble, est tout simplement de prendre le train. Je l'y invite, j'invite également Monsieur Sanchez à utiliser ce moyen de transport. Même si nos trains n'ont pas la fiabilité des trains suisses, je vous l'accorde, puisqu'ils arrivent souvent en avance, elles progressent nettement, notamment au regard de l'évaluation positive des indices de ponctualité à l'origine et au terminus de nos trains. Cette amélioration du service a eu un impact sur la fréquentation de nos TER, puisque nous notons une augmentation du nombre de voyageurs de plus 30% et une plus grande fidélité des bénéficiaires du service ferroviaire en région. Si les habitants de cette région empruntent le train, c'est qu'ils y trouvent un service efficace. Cette fréquentation a eu un impact sur nos recettes, plus 7%, ça a été dit tout à l'heure. Le service a été amélioré également en termes de desserte, plus 11% des trains par jour sur le territoire de l'Occitanie, ça a été dit, mais c'est surtout quelque chose qui se matérialise concrètement. Par exemple, la création de la liaison Toulouse-Perpignan avec 7 allers-retours par jour. Et pour tous ceux qui ont été catalans et étudiants à Toulouse, c'est un net progrès. Deux fois plus de trains quotidiens sur Agen-Toulouse ou Cahors-Toulouse, plus deux trains par jour entre Béziers et Bédarieux, ainsi que Nîmes et Alès, plus 14 trains par jour entre Montpellier et Sète, plus 19 trains par jour sur Toulouse-Tarbes. Ce bilan positif, je le redis, doit être mis au bénéfice de la région et en premier lieu de sa présidente et de son vice-président, faisant preuve l'un et l'autre, et comme tout le monde le sait, de détermination et de ténacité, mais aussi au crédit de l'opérateur historique qui a su se remettre en question par conviction plus que par crainte d'ouverture à la concurrence, Monsieur Rivenc, je le pense. Il a su également progresser et démontrer sa capacité à être compétitif et à être agile en cas de crise. Alors pourquoi se séparer quand on est bien marié? Concernant maintenant les évolutions proposées par cette convention, il est notable qu'elle vise une augmentation de l'offre sur tous les départements, les bassins de vie et d'emploi d'Occitanie, de près de 24% pour la période, soit 110 trains supplémentaires par jour. Là aussi, ce développement sera déployé sur l'ensemble du territoire et là aussi, il y a des exemples concrets, avec des exigences d'évolution de services sur l'étoile toulousaine via des ajouts de trains supplémentaires sur Auch-Toulouse, Mazamet-Toulouse, Rodez-Albi-Toulouse, Agen-Toulouse, Toulouse-Narbonne-Perpignan, mais aussi la création d'interconnexions avec la future troisième ligne du métro toulousaine. Le renforcement de l'offre sur les territoires métropolitains et littoraux, des ajouts de trains et aussi une articulation renforcée sur les trains et les bus en zone rurale, et évidemment la réouverture de lignes TER. Il y a quelques années, j'avais défendu ici le maintien des lignes TET en qualifiant ce service de véritable lien entre nos territoires et la République française. Je dirais aujourd'hui que la convention proposée porte l'ambition des trains de l'émancipation. Les déplacements sont des freins pour nombre de concitoyens, freins à l'accès à l'enseignement, à l'emploi, à l'art, à la culture, ou tout simplement freins à l'ouverture aux autres. Aussi, j'engage mes collègues à voter favorablement sur ce rapport et ainsi participer à l'émancipation de tous, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Merci.